Bonjour à tous, je suis très heureux aujourd'hui de vous retrouver en cette période de fin d'année et à cette occasion, j'ai travaillé sur un effet qui réunit deux principes de la magie. Imaginez, vous êtes au restaurant et vous avez une dizaine de convives à table. Vous sortez votre jeu de cartes et vous leur proposez une expérience. Vous dites voilà, un jeu de 52 cartes, 52 cartes différentes. Vous leur proposez de mélanger le jeu. Et simplement, vous invitez un spectateur à choisir une carte. Ici, pour l'exemple, le 9 de trèfle, que je pose sur la table. Vous dites, voilà, je ne sais pas pourquoi vous avez choisi cette carte, mais c'est votre choix. Et à cet effet, je voudrais l'immortaliser. Et vous leur proposez de signer la carte. Et vous sortez votre stylo. Ils disent, voilà, vous signez la carte. Et maintenant, cette carte est unique au monde. Et d'ailleurs, pour aller plus loin, ce que je propose aux spectateurs, c'est d'aller un peu plus loin. Vous le dites, voilà, votre carte est unique, je vais la remettre dans le jeu. Et c'est ce que vous faites. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien à la caméra. Et vous leur dites, voilà, et à l'aide de ma baguette magique, je vais immortaliser cet instant. Ne clignez pas les yeux. Baguette magique. Et un instant après, le jeu a disparu. Pour laisser place à un jeu invisible. Ici, par exemple, le 3 de cœur. Alors, je sais, vous ne le voyez pas, mais moi, j'en ai l'habitude. Un valet, il me semble. Ouais, valet de pique. Et si on étale, doucement, une carte apparaît au travers de ce jeu invisible. Et une seule et unique. Et pas n'importe laquelle. Votre carte, le 9 de trèfle. Voilà. J'espère que cet effet vous a plu et que vous allez travailler sur ce principe. En tout cas, moi, je voulais vous remercier pour votre fidélité pour cette année 2020. Brigitte aussi se joint à moi pour vous remercier. Et nous serons très heureux de vous retrouver en 2021 pour de nouveaux tours encore plus percutants. Allez, bonne fête à tous. Et à très bientôt. Ciao les amis.